Cet arbre retrouve l'effervescence du palabre qu'il a toujours animé dans ce quartier de Kavanimtsapere après une absence humaine de plus d'un mois due à la crise sociale qui avait beaucoup agité Mayotte. Ces amateurs de ce jeu de société appelé Mrawatsu peuvent extérioriser. Nous avons ici des doyens, nous avons également des plus jeunes comme moi. Donc ça permet ces retrouvailles très riches en éducation. Autre sensation agréable retrouvée, cette animation dominicale à Musical Plage dans la commune de Bandélé. Petits et grands savourent chacun à sa manière les retrouvailles familiales et amicales autour d'un barbecue dans cet havre de paix bien connu dans l'île au Lagon. Jour et nuit, pouvoir sortir les enfants. Et là, je peux vous dire que ça n'a pas été simple de les garder entre quatre murs. Ça fait plaisir de pouvoir les sortir. Ça fait du bien parce qu'on avait des familles qui sont séparées à cause des barrages. Comme par exemple, nous, on habitait au nord, d'autres habitaient au sud, du coup, on était bloqués. Cette maman est bien joyeuse en partageant de tels moments avec sa petite fille. Après trois semaines de barrage, on est content de se retrouver à la plage, en toute quiétude. L'ambiance est à la hauteur de la joie retrouvée. Ça faisait quand même un mois et demi qu'on était confinés, et là, liberté. Ces moments tant retrouvés seront bientôt mis en veilleuse pour laisser la place au Ramadan. Tout ce beau monde se quitte avec ce clin d'œil.